Alors, si on compte que le cinéma a 126 ans et que moi j'en ai 27, et que euh, disons, j'ai regardé un film par jour depuis ma naissance, enfin précoce je sais, ça veut dire que j'aurais vu 9855 films sur. Bah sur combien en fait Parce qu'en 126 ans d'histoire et avec environ 160 pays producteurs de films, bah je vais pas avoir le temps de tout regarder, non hein Bon, on va poser les bases. Hein. Moi, j'ai fait un bac à l'option ciné. Hein. En maths, j'ai dû avoir 12 ou 13. Encore, c'est parce que j'avais compris comment mettre les formules dans la calculatrice. Bref, les chiffres et moi, c'est pas une bonne idée. Mais pourtant, il y a toujours un nombre qui me faisait rêver, que j'essayais de m'imaginer de comprendre, à faire des bifurcations dans ma tête, bah, pour essayer de trouver un semblant de réponse. Bref, j'ai toujours voulu savoir combien il existe de films. Dans le monde. En tout. Parce que c'est trop bien de compter et lister tous les films qu'on voit. Hein. Moi, je fais ça sur Letterboxd et Twitter. N'hésitez pas à les suivre hein, et à vous abonner, évidemment. Mais j'arrive pas à quantifier là où j'en suis dans la liste du tout cinéma de toute la vie. Je sais bien sûr que je suis loin d'avoir tout vu, mais loin à quel niveau Alors, bien sûr, hein, j'ai cherché évidemment sur le site qui recense toute la mémoire commune du cinéma, le Saint Graal de mes cinéphilos sûrs. Je parle bien sûr d'IMDB. Quand on fouille dessus, on tombe rapidement sur une page de type statistique qui te dit qu'il y a donc. 589 204 films inscrits sur la plateforme au moment où j'écris cette vidéo. Presque 590 000 films. Il n'y a que moi qui trouve ça extrêmement peu. Alors oui, hein, je passe ma vie à mater des films. Hein. Je me lance des défis saugrenus so à base de « Cette semaine, je ne regarde que des films datant d'avant les années 40 ou venant d'un pays en particulier. » Mais 590 000, quand on sait qu'il y a quand même plus de 126 ans d'histoire du cinéma dans les pattes et près de 160 pays actifs dans l'industrie cinématographique, ben je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça paraît bien peu. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de savoir combien de films très exactement il existe dans le monde, à travers les âges et les pays, du plus connu au moins connu, et cela en commençant par définir c'est quoi un film en fait parce que quand je veux compter bah, le nombre de films total, faudrait déjà que je sache qu'est-ce que je compte. <laughs> Un film, par la définition la plus simple, en tout cas celle de Wikipédia, c'est une œuvre du cinéma ou de l'audiovisuel, qu'elle soit produite ou reproduite sur support argentique ou tout autre support existant, vidéo numérique. Ok, mais encore. Moi, quand je pense film, dans notre cas précis, je pense au long métrage. Parce que si on commence à recenser tous les courts métrages de la planète, Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est à partir de quel temps, de quel minutage qu'on peut différencier un court métrage d'un long métrage. Bon, je vais pas retourner sur le wiki, hein, parce que c'est pas assez précis. Tu, tu sais quoi En fait, autant aller se renseigner bah, chez ceux qui savent, genre la sommité du court métrage en France et même en fait dans le monde, le Festival de Clermont-Ferrand. Eux, ils sauront, c'est sûr. Hein, c'est quand même le plus large des festoches de cours dans le monde. Ça fait réfléchir. Alors, alors, euh, si je regarde sur le site. Euh, tiens, ça doit être écrit, je pense, dans le règlement pour inscrire un film au festival, par exemple. Ah Condition, durée maximale, 40 minutes. Ok, donc euh, si un court-métrage, bah, ça va jusqu'à 40 minutes, ça veut dire que le long, bah, il commence à cette durée-là. Et ça va jusqu'à. Euh, bah, en fait, ça n'a pas vraiment de limite hein, pour la fin. Ça peut même aller jusqu'à 208 heures, hein, comme je t'en parle dans cette vidéo. N'hésite hein. pas à aller la voir et à t'abonner. Hein. Toute pub est bonne à prendre. Hein. Ok, donc maintenant on sait qu'on doit compter tous les films qui durent plus de 40 minutes. Mais ils viennent d'où, tous ces films Parce qu'en France, bah, on regarde des films français, mais aussi américains, anglais, japonais, italiens, bref. Mais vous saviez qu'il y avait une très grande industrie cinématographique en République démocratique du Congo Ou que la première femme réalisatrice haïtienne venait de sortir un film Perso, je me suis lancée sur ma chaîne Twitch dans un tour du monde des films, où j'essaye de recenser bah, un film par pays reconnu par l'ONU. Soit 197 pays. Et même si pour certains, bah, c'est chaud patate de trouver ne serait-ce qu'un film produit là-bas, pour d'autres, j'ai découvert des trucs de fou. D'où donc les fameux 160 pays producteurs réguliers de films. Ça en fait quand même pas mal. Déjà, tiens, petit jeu. Est-ce que vous savez quels sont les trois pays sur cette dernière décennie, les trois industries qui produisent le plus de films chaque année dans le monde En troisième position, on connaît, on subit même parfois, avec l'explosion du blockbuster, c'est évidemment l'industrie hollywoodienne, et plus généralement en fait les États-Unis d'Amérique et le Canada, qui produisent environ 700 films par an. En seconde position, on a l'Inde, avec l'immense industrie de Bollywood, qui produit en moyenne <laughs> 1000 films par an. C'est fou, 1000 films par an. Et pourtant j'ai l'impression qu'on entend très peu parler en Occident. Alors bien sûr, c'est un genre à part, le film bollywoodien, très romantique, romanesque et musical. Avec quelques nanars par-ci par-là, on va pas se mentir. Hein. Mais je pense qu'on loupe vraiment quelque chose. Mais en tout cas, ouais, moi, il faudrait peut-être que je m'y intéresse un petit peu plus. Dis-moi, toi, est-ce que tu connais un petit peu le cinéma bollywoodien, par exemple Et the last, but not the least, hein, qui est pas vraiment, en fait, à la première place du classement, mais qui a redéfini l'entièreté, en fait, de l'industrie cinématographique mondiale en moins de 30 ans, le Nigeria. Et oui, le Nigeria, avec son industrie de Nollywood, hein, on reste sur une nomenclature commune bien sûr, a produit environ 500 films par an entre 2017 et 2019 pour exploser en 2020 avec 2600 films et déjà plus de 1000 films produits en 2021. Pif paf pouf, explosion! <laughs> en fait, c'est avec l'arrivée du caméscope vidéo, dans les années 80-90, que le grand public a pu se mettre à faire des films maison. Et à Lagos, qui est donc la plus grande ville du Nigeria, bah, c'est devenu une réelle industrie. Bon, après, vu que c'est du cinéma amateur, hein, on va pas se mentir, il y a à boire et à manger. Mais ça n'enlève pas qu'il y a plus de 2500 films qui ont été produits rien que l'année dernière. Donc si on calcule sur juste les 10 dernières années avec ces trois industries, on a un total de 7000 films en moyenne pour les US, 10 000 films pour l'Inde et euh, disons euh, 7600 films pour le Nigeria. Ça reste approximatif. On a donc un total de 24 600 films. Donc en 10 ans, et avec seulement 3 pays, on a déjà produit 4% des fameux 590 000 films totaux d'IMDB. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai des doutes sur ce nombre après donc bien sûr il y a toute une énorme industrie dans le reste du monde hein, qui, on va pas se mentir, avec les évolutions technologiques, n'ont fait qu'augmenter depuis les débuts du cinéma. C'est plutôt exponentiel, vous voyez Meuf, t'as fait elle. Arrête d'utiliser des termes que tu comprends qu'à moitié. Par contre, ce que je comprends, c'est que sur tous les sites de statistiques sur lesquels j'ai cherché des infos... Bah exit Nollywood hein. et parfois même Exit Bollywood. Bref, vous avez compris, c'est super américano-centré. Donc c'est impossible d'avoir les chiffres exacts des sorties de films dans le monde sur une seule année par exemple. Donc euh... bah, va falloir compter hein Allez, on voit sur Simone. Alors euh, oui, non, hein, on va pas vraiment compter un par un, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire. Dans la vie en, en général, mais je veux quand même essayer de me rapprocher le plus près possible d'un nombre. On va prendre l'année 2018 par exemple, parce que j'ai l'impression que les données sont assez facilement trouvables. Et je vous mets évidemment tous les liens des sites avec ces infos en description. Bon allez, c'est parti Alors déjà, je sais qu'en 2018, il y a 565 films qui ont été produits rien qu'au Nigeria, 873 aux USA/Canada et 1813 en Inde qui nous fait un joli total pour notre trio de, de 3251 films. On va continuer avec la France, hein, parce que terre-terre, et surtout parce qu'en fait c'est assez simple comme données à trouver, hein, puisqu'on a un super outil qui s'appelle le site du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui a bah, toutes les données concernant le cinéma en France. Ok, alors donc le bilan cinéma en 2018, on est à 237 films d'initiative française. D'initiative ah, Donc en fait, c'est les films réalisés par des productions françaises. Mais donc ça prend aussi en compte les coproductions. Mais oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il y a énormément de coproductions dans le monde. Par exemple, un film comme Joyeux Noël de Christian Carion, c'est un très joli film. Ou hein, Demeurant, c'est une coproduction franco-germano-romano-belge-anglaise. Sacré chasse Mais on le répartit comment au niveau des sorties alors Il y a toujours un pays qui est majoritaire sur une coproduction, mais au comptage est-ce qu'on lui attribue seulement à lui ou quand même aux autres pays Et puis c'est étonnant parce que bah, le CNC parle de 237 films en France en 2018, mais sur un autre site, j'étais tombée sur le nombre de 684. Oh Donc ça prend en compte en fait les films sortis en France, mais pas forcément que français. Donc il bah, n'y a aucun moyen d'être certain des chiffres. De s'ils prennent en compte seulement les productions d'initiative du pays ou toutes les sorties en salle, et, et en plus, on ne pense pas aux films perdus, parce que lorsqu'ils étaient encore tournés en pellicule, qui avaient peu de copies, donc euh, les, les films en pellicule projetables, et qui, euh, avec euh, bah, le temps et la dégradation du matériel, se sont perdus. Comme j'en parle dans mon documentaire sur la restauration des films de Georges Méliès, il y a plein de films qui n'ont pas pu traverser le temps, ou qui se cachent dans des greniers sous des monticules de souvenirs, et qui périront parce qu'on ne les aura pas restaurés à temps. Sans parler aussi des films écrits, tournés, montés, qui seront jamais diffusés en salle et qui auront une mini exploitation en festival, mais que personne d'autre ne verra jamais. Donc tout disparaît au final. J'ai phasé. <laughs> Donc, non, en fait, il n'est pas possible de savoir combien de films il existe en tout dans le monde et dans l'histoire. Il faudrait fouiller tous les registres, tous les historiques de tournage dans tous les pays du monde, en sachant que certains bah, référençaient même pas ces données. <laughs> je suis dégoûtée Je, je, je pensais vraiment bah, pouvoir au moins me rapprocher un, un tout petit peu de ce fameux nom, mettre au moins une, une échelle de grandeur sur la cinéphilie mondiale. Non mais vous avez vraiment cru que j'allais laisser tomber maintenant <laughs> Non mais si je peux pas savoir combien il existe de films dans le monde, bon, je vais quand même au moins faire ma chauvine hein, et calculer combien de films d'initiative française ont été produits dans l'histoire. Non mais j'aurais pas fait tout ça pour rien non plus. Hein <laughs> ok alors, on commence. Sortie des Usines de Lumière à Lyon, euh, premier film projeté le 28 décembre 1895. Ça fait un... Hein... Je vais peut-être trouver une autre manière d'aller plus vite non hein Ok, donc retour sur le site du CNC. Alors, statistiques par secteur. Production cinéma données statistiques, ça c'est bien. Oh, nombre de films agréés par la production d'initiatives françaises de 1952 à 2020. Le petit calcul de tableau Excel qu'on a appris en cours de techno en troisième bien sûr, et ça nous fait 9923 films. Pas mal du tout en vrai. Bon, par contre, comme ça va être compliqué de trouver les données euh, bah, avant 1952 sans compter tous les films perdus, je vais, euh... bah, je vais devoir le faire à la main. Hein. Donc, on reprend. Sortie des usines Lumière. One eternity later. Alors, euh, sur le wiki, hein, j'ai trouvé une liste de tous les films sortis en France entre 1911 et 1952. Hein. J'ai compté, donc, pour faire une moyenne par décennie. Ce qui fait que dans les années 40, on était environ à 100 films par an, hein, ce qui est plutôt pas mal, vu que c'était la guerre. Puis dans les années 30, c'était 130 films de moyenne. Puis ça redescend dans les années 20 et 10 avec environ 50 films par an. Alors malheureusement, on n'a pas de données avant les années 10. Et de toute façon, bah, beaucoup de films ont disparu. Et surtout, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du court métrage, parce qu'il y avait très peu de films allant au-delà de 40 minutes à l'époque. Donc, en ajoutant bah, tout ce petit gloubi-boulga aux données euh, du CNC, on arrive à un total de films d'initiative française sortis entre 1911 et 2021 au nombre de 13 323 films. Et je trouve ça encore trop peu Pas possible ça Bon, en vrai, hein, on est quand même une très grande industrie, et c'est vrai que si on compte pas les 7000 courts-métrages que Pathé a réalisés entre 1896 et 1914, bah ça déséquilibre un peu. Mais voilà, j'ai pas pu trouver le nombre total de films dans le monde, mais je me suis un tout petit peu rapproché du total de films français. Donc si j'entends encore quelqu'un qui me dit, euh, mais y a pas de bons films français en fait, bah il a le choix entre 13 000 autres. Hein. Il, il va pas faire son difficile non plus. Voilà, c'était très rigolo comme jeu, un chouïa frustrant, on va pas se mentir, hein. mais j'espère que ça vous fera également vous rendre compte de l'immensité et de la pluralité du cinéma mondial, et que ça vous donnera surtout envie de regarder plein de films! Parce que maintenant qu'on sait qu'on pourra jamais tout voir, hein. <laughs> Pense évidemment à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire pour me dire combien toi tu penses avoir vu de films en tout. Et suis-moi sur Twitter, Instagram, TikTok et Twitch. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon YouTube pour me soutenir et m'aider à financer mes études de matin. <laughs> Parce que bon, vous avez vu à quel point c'est pas vraiment mon point fort. Voilà voilà. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.